La moto a existé avant l'automobile. Dès que l'homme a su construire des moteurs, il a cherché à les installer sur des deux roues. Peu à peu, grâce au progrès de la technologie, la moto est devenue plus performante, plus sûre, plus diversifiée aussi. Encore aujourd'hui, elle est source de passion et d'émotion. Actuellement, les dernières créations regorgent de technologie. L'électronique est omniprésente et renforce aussi bien les performances que la sécurité. Mais a-t-on besoin de tout cela pour autant? Peut-on encore voyager sans tout ça? Simplement, comme avant. La mode actuelle des trails a fait un peu tomber dans l'oubli les grosses routières de la fin du dernier millénaire. Et pourtant, elles ont tout ce qu'il faut pour voyager loin, longtemps et confortablement. C'est suite à cette réflexion que je me suis mis à la recherche de la perle rare. Et je l'ai trouvée il y a quelques mois. Une belle Kawasaki 1000 GTR revêtue d'un magnifique prune métal. La moto était complète, en excellent état malgré ses 110 000 km. L'affaire se conclut pour 1000 euros seulement et je la ramène de Lyon sous des trompes d'eau en juin dernier. L'idée de ce film est née. On fera un road trip de 1000 km avec cette moto de 1000 cm3 payée 1000 euros. Comme on prévoit ce voyage mi-octobre, on réfléchit aux destinations où on fera encore une belle météo à cette période de l'année. On tombe rapidement d'accord sur la Sardaigne, car nous n'y avons encore jamais roulé. La suite, c'est comme pour tout road trip. On se documente, on achète des cartes routières et on prépare le roadbook. C'est parti pour le tour de l'île avec quelques incursions dans l'arrière-pays. Alors bien sûr, avant de partir, il était indispensable d'effectuer un check global et une bonne révision. Pour ça, je peux compter sur Julien et Thomas, mes potes passionnés de moto qui tiennent le garage Erfeld à Rodemack en Moselle. Ils ont repris l'affaire familiale il y a peu, et si à l'origine ils sont spécialistes 4x4, leur savoir-faire les font intervenir sur n'importe quel type de véhicule. On change les fluides, quelques joints, on revoit le freinage et les pneumatiques, et rapidement, la belle est prête pour le défi. Alors c'est vrai qu'avec les Transalpes, on a plutôt l'habitude de voyager avec des valises souples. Et là, on est en dur. Et quand il s'agit d'attacher des trucs sur des valises dures, je crois que j'ai pas trop l'habitude. Oh putain, la honte. La sangle qui est bloquée sur le bout du silencieux gauche. Après avoir traversé la France du nord au sud, on retrouve le bateau dans la rade de Toulon, au même endroit où Thibaut et moi l'avions pris pour faire le Ted Corse. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous incite d'ailleurs à regarder la vidéo dédiée sur la chaîne. Cette fois-ci, la traversée durera 15 heures et se fera de nuit. À ce moment précis, on aspire à trois choses simples. Une douche, un repas et une bonne nuit de sommeil. On attache la moto dans la cale et on part vite s'installer. Bon, après 1000 bornes, il fallait mieux ici. Hein. Oui. Hein. Carrément. Oui, doucher avec un verre frais, génial. L'objectif, c'est de montrer qu'une moto qui vaut 1000 euros peut faire 1000 km en Sardaigne avec 1000 cm3. On va voir ça tout de suite. Ça. Ah ouais. Ouh, ça va secouer cette nuit. pas de malheur, je vais vomir. La nuit, sur le pont du bateau, il n'y a pas âme qui vive, et le bruit des machines qui grondent dans l'obscurité contribue à l'ambiance étrange, désolée, presque dramatique. We'll be right back.
Le ciel est clair, la mer est calme, on aperçoit la Sardaigne qui pointe le bout de son nez. Alors on libère notre cabine et on prépare nos affaires pour débarquer. Une première journée de route nous attend. Mais avant tout, il va falloir trouver de l'essence, car à cette époque, en France, il n'y en avait plus. Ce premier jour, on file direction Capocaccia. C'est une imposante presqu'île calcaire à l'extrémité nord-occidentale de l'île. Il est midi, on vient de débarquer, ça sera notre premier arrêt en Sardaigne. Et on en a déjà plein les yeux. Regardez. On met maintenant le cap au sud, direction Alghero puis Bossa. On ne sait pas encore si on s'arrêtera ce soir là-bas ou si on poursuivra avec une incursion en arrière-pays. L'avantage de ne pas prévoir d'étape à l'avance, c'est qu'on peut adapter au jour le jour le rythme de notre progression. Seul impératif, le bateau qui nous attend dans une semaine. La route entre Alghero et Bossa est vraiment jolie. Elle surplombe la mer tout le long. Et si vous venez en Sardaigne, on vous la conseille vivement. Au final, on n'a pas beaucoup roulé car on a fait pas mal d'arrêts tant le paysage était beau. Ce soir, on dormira dans un des rares campings ouverts en ce mois d'octobre. Il est situé en bord de mer et il est quasiment désert. On monte le camp et on file se baigner. C'est la fin de notre premier jour de road trip en Sardaigne avec une arrivée à côté de Bossa dans un petit camping où on a posé notre tente. On profite de la mer qui est encore chaude mi-octobre en Sardaigne, c'est vraiment le pied. Demain, on attaque un peu de montagne. Pour l'instant, la GTR tient super bien. On a un tout petit souhaitement au niveau de la sortie de boîte. Je vais surveiller ça, on va regarder si ça se propage ou pas. Mais pour moi, c'est pas grand chose d'inquiétant. Voilà. Sinon, elle a super bien roulé. C'est une machine qui est quand même assez lourde, mais qui est assez bien suspendue. Donc, on n'a pas eu trop de soucis, même dans les petits virages de montagne. Ça tient bien le pavé. Demain, on va enquiller quelques petits cols. Et là, ça sera l'occasion de voir comment elle se comporte. Voilà. Donc, après la soirée, dodo. Et demain matin, en selle. Donc là, il est 6h30 du matin, c'est le deuxième jour. Et ben, je fais le café parce que j'arrive plus à dormir. Donc voilà, histoire de passer le temps, petit café avant de démarrer.
Et puis après, on fera quelques images aujourd'hui alors sur la ville de Bossa qu'on a vue hier soir. Il y a des maisons colorées, c'est assez joli. On va essayer de mettre un petit coup de drone, quelques images. Puis on va prendre la route de la montagne. Voilà, donc une bonne journée qui s'annonce en perspective. Deuxième jour. Bon petit déj. C'est parti. Ouais, après un bon petit déj, le soleil se lève, on va reprendre la route. Tu tentes le pliage fourre-tout. Avec les moustiques autour qui nous tournent autour. En fait, avec une moto, quand tu es en camping et que tu ranges, ben, tu l'utilises comme support. C'est vrai que ça fait un joli bordel quand même. Et tout ça rentre, en principe. Bah oui. Il faut. C'est une dent avant, ce sera une dent après. Ouais, ça reste à voir. Pas forcément aussi bien rangé calé qu'au départ, mais ça rentre. Quand tu pousses un peu, ça rentre. Il y a une botte là. C'est à toi. t'as une non. Ouais, merde, putain, j'ai une crocs et une botte, il faut pas que j'oublie avant de partir. Ah bah non, t'auras l'air con. Et de 1. Petit crochet comme prévu par Bossa et ses jolies maisons colorées. Cette ville est réputée pour la transformation artisanale du corail, mais aussi pour son carnaval très animé et sa procession de bateaux sur le fleuve au mois d'août. On quitte le littoral pour maintenant s'enfoncer dans les terres. Connie se régale à l'avance des tracés sinueux qu'on va lui faire prendre. Les routes sont désertes en cette période de l'année, et on y croise plus d'animaux que d'êtres humains. Alors toi ? Tu sors d'où ? Le papa ? Les virages s'enchaînent, et les villages aussi. Pour être honnête, on est un peu déçu par le paysage de ce côté de l'île. Le relief y est peu prononcé, mais c'est surtout le manque de point de vue qui rend la route monotone. On ne fera que peu d'arrêts dans cette partie, mais on vous rassure tout de suite, car le plus beau reste à venir. Alors parfois à midi, c'est à l'arrache. Oui. Donc c'est sur un banc, dans un parc. Qu'est-ce qu'on mange à midi ? Tomates cerises, bresse à olin, des petits pains piadina, un peu de fromage en tranche, coca. Et moi j'ai des sardines. Oui. Bon, l'expérience du jour, ça va être de faire du café au milieu de nulle part, mais avec de l'eau gazeuse. Donc je ne sais pas si je vais y survivre. On va goûter. Ah, ça est quoi ? Ça a marché. Le café frizzante ? Non, mais normal. Et pour fêter ça, ben, je vais me prendre un petit gâteau. Un petit gâteau italien. Bon, on sort pour repart ? Ouais, c'est reparti. On prend un petit repas. Tiens, j'ai une petite question. Quand vous croisez un groupe de motards, vous les saluez comment ? Tous un par un ? Ou seulement le premier, voire le dernier ? Vous laissez vos doigts en l'air tout le long ? Sympa la question, hein. Je suis sûr que vous allez y penser lors de vos prochaines balades.
fin de la journée arrive. On a bien roulé. On se rapproche à présent de la côte sud de l'île qu'on découvrira demain. Mais dans nos esprits, à ce moment précis, on ne pense qu'à une chose. Trouver un de ces fameux agriturismo pour y passer la nuit et bien y manger. Et vous allez voir, ça vaut vraiment le détour. Alors ça y est, c'est notre premier agriturismo, donc en Sardaigne, on nous en a parlé, on a lu plein de trucs dessus, c'est vraiment la spécificité de l'île. Et alors je vais vous emmener un petit peu en découverte de cet agriturismo, les gens sont super gentils, on a été très bien accueillis, et je sens que ce soir on va très très bien manger. Suivez-moi. Salut les filles. Hey. Ça va les poulettes ? L'agriturismo, c'est la ferme, c'est l'hôtel, c'est le restaurant, mais c'est surtout très rupestre et c'est vraiment top. Alors c'est parti pour un petit tour du propriétaire. Alors, du peu d'italien que je sais parler et que j'ai compris évidemment. Coucou toi ! Salut le chien ! Il paraît qu'on mange à la cuisine ce soir. Ouais. Alors c'est pas mal. Ah. C'est par là ? C'est par là. Je nous ai installé déjà. Vas-y, bah, montre-moi. Je reste encore une belle vue. Ouais, donc vous voyez, c'est rudimentaire. Mais c'est très chouette parce que c'est de l'hôtel campagnard, quoi, on va dire. Hein. Ce qui est chouette dans un agriturismo, ce sont les rencontres qu'on peut y faire avec d'autres voyageurs. Et ce soir, je suis servi, car un groupe d'enduristes est aussi présent. C'est à ce moment-là que ma Transalp me manque. Mais bon, allez, assez parlé, à table maintenant. Oh, ça va être sympa aujourd'hui. C'est un petit peu humide, disons. Ouais. Et en plus, ils ont annoncé des orages. À la totale, quoi. Ça va être fun. Ouais, ça c'est... Donc je pense que... Faut qu'on dorme au sec ce soir. Voilà. Ce soir, on va remanger dans un agriturismo. Alors la pluie fait quasiment toujours partie du voyage. C'est pas un drame en soi, mais on aurait aimé l'éviter sur cette journée, car elle va nous faire traverser de superbes paysages côtiers situés entre Tolada et Cagliari. Mais ce matin, il pleut vraiment des cordes. Impossible de sortir le drone. Pourtant, vous allez voir que ce temps exécrable va réussir à donner un charme particulier au paysage. La vache, t'as pris cher. Je te raconte pas les chaussures. J'ai une piscine dans chaque chaussure.
sauf à hésiter à changer ses vieilles bottes avant de partir. Cette pluie diluvienne va vite lui faire changer d'avis. On entre donc dans Cagliari à la recherche d'un magasin de moto. Alors, qu'est-ce que tu fais ici, Sof? Dans un magasin italien. Le mec, il parle pas anglais, il parle pas français. Nous, on parle pas italien. Et on lui a fait comprendre qu'il fallait essayer des bottes étanches parce que tes bottes, elles sont complètement cuites. J'ai fait une demi-journée de balnéothérapie et j'essaye de passer au sec. Ne te moque pas. Après cette matinée, disons, humide, le soleil repointe le bout de son nez pour notre plus grand plaisir. Alors on quitte Cagliari, direction Villa Simius, et la mer reprend déjà de belles couleurs. Évidemment, celle-là, il fallait qu'on vous la fasse. Hein ? Qui c'est qui a mal au cul aujourd'hui ? Moi ! Mal au cul ou mal au cou ? Mal au cul ! La Golden Hour, ou en français l'heure dorée, c'est le moment que préfèrent les vidéastes et photographes. C'est une période assez courte dans la journée, juste avant le coucher du soleil, où la lumière se réchauffe, où les ombres s'allongent. C'est l'instant magique. Monté dans l'arrière-pays, on se met à la recherche d'un toit en dur pour ce soir, car de gros orages sont annoncés cette nuit. Et c'est pas vraiment évident en octobre ici de trouver quelque chose d'ouvert. Alors on suit des panneaux, parfois notre instinct, mais ça marche pas toujours, et ça nous mène à des situations bien cocasses, surtout quand on parle pas la langue du pays. Buonasera. Buonasera. È la marca, l'agriturismo. Abierto. Siete entrati. Ah no. Allora non è vero, okay. È altra gente. Grazie. Che c'era, vero? C'era altra gente prima. Ah, ok. Ah, grazie. C'est pas mal, pas l'air très haut. On reprend la route sur la réserve. La nuit commence à tomber. Au final, une commerçante super sympa nous explique que dans le village à cette époque, seule une vieille dame peut encore nous louer une petite chambre. Elle se propose de nous y conduire, alors on la suit. Buonasera. Buonasera. Oh, grazie mille. Grazie mille. Ciao. Ciao. Ici, la pizza. Possono venire. Possibile mangiare la pizza? No, anche qui la possono mangiare. Ok. Capito? Poi se serve un caffè. Ok. Ah, ok. Caffè, va bene. Scendiamo? Sì. Un poco. Sei più il malato. Hey, magnifico. Et voilà. Yes, la pizza. La bonne pizza de ce soir. Elle a l'air bonne en plus. Cool. Et voilà. Ça se termine bien quand même. Hein. Ah oui. Oh, c'était une journée bien remplie. Hein. Il y a eu déjà la flotte ce matin. Ensuite, on a quand même profité de Cagliari pour t'acheter des pompes. Ouais. Ça, c'est pas mal. Voilà,
tu t'es trempé. Ensuite, beau temps. Ensuite, beau temps. Et même, même chaud. Ouais, joli petit virage, on a fait des beaux plans. Mmh. À part la connexion du drone qui a un peu merdé, donc on a raté un ou deux plans drone, mais c'est revenu après. Et puis, petite galère ce soir quand même. Enfin, galère, c'est vite dit, mais on a eu du mal quand même à trouver un Agri Turismo ou un Bed and Breakfast. Et voilà, bon, on se retrouve ici au milieu de nulle part. Je ne sais même pas le nom du bled d'ailleurs. Je ne sais plus, il faut encore vérifier. Mais en tout cas, on a été super bien accueillis. On a de la bonne pizza, une bière fraîche, un coca. Donc voilà, là on est bien. Ouais. On peut attaquer la montagne demain. Ouais, après les orages. Ça roule. À demain. À demain. Après une nuit passée à l'abri des orages, on se prépare à repartir vers le nord de l'île. Le temps est sec ce matin. On remballe nos affaires, on remercie la dame pour son hospitalité et on se remet en route. On prévoit aujourd'hui une bonne incursion dans le centre de l'île pour finir à nouveau au bord de la mer, du côté de Tortoli. Mais avant toute chose, comme Connie a soif, il faut lui donner à boire et vérifier ses niveaux. Après 1800 km, on a consommé, on va dire 25 centilitres hein, sur une machine qui a ce kilométrage et qui a cet âge-là. C'est pas déraisonnable. On a fait de la montagne chargée, on a fait de l'autoroute, on a fait toutes conditions. Donc je pense qu'on peut pas trop se plaindre. Voilà. Et la journée commence sous le soleil. On quitte Escalaplano sous le soleil. Mais vous allez vite voir que bien que les orages soient passés, la météo du jour va osciller entre petite pluie et éclaircie. Ceci va nous donner l'occasion de contempler des paysages qui prendront un caractère parfois un peu mystérieux, sous des nappes de brume. Et ça, ça nous plaît beaucoup. La route SS198 est déserte à cette époque de l'année. Elle comporte beaucoup de virages. Malgré le poids de la moto, je retrouve le plaisir de rouler un gros 4 cylindres gorgé de couple. La longe est bien présente et le couple nous permet de rester souvent sur le même rapport. Même si c'est une routière, on sent bien que Connie a les fameux gènes de la marque verte dans ses veines. Ça pousse fort à besoin et ça tient le pavé. Pas mal, non, pour une mamie âgée de plus de 20 ans. Alors faire un road trip avec une vieille machine comme celle-là, c'est possible. Il faut simplement penser à sécurité. Donc quand vous rachetez une vieille moto pas chère, comme celle-là qu'on a payé 1000 euros, il faut bien sûr prévoir un petit budget pour l'entretien et la révision. Alors sur cette GTR qui est quand même connue pour sa fiabilité, on a changé les pneus, on a refait le freinage, donc piston, les plaquettes évidemment, on a fait une bonne purge, liquide de refroidissement, l'huile, filtre à huile. Il y avait une petite fuite au cardan qu'on a réparée, mais en gros, on n'a rien changé, donc aucune pièce qui était cassée. Simplement de l'entretien courant. Hein. Alors si vous prenez de l'huile pas chère, style l'huile Leclerc ou Noroto, ça vous fait un budget très limité pour partir avec une moto qui est en très bon état. Voilà. Et ça n'empêche pas l'aventure. Thank you.
bizarre comme ambiance, vous ne trouvez pas? On quitte ce village abandonné, et sauf qu'il est photographe, c'est vraiment régalé. Si vous passez dans le coin, c'est une étape obligatoire. De retour sur la route qui nous mène au littoral, on rejoint Tortoli dans l'après-midi. C'est l'occasion de retrouver la mer, un peu formée sous cette journée venteuse. Alors une fois de plus, on sort le drone et on se régale. Il est temps de songer à trouver un endroit où dormir. Il faut savoir que le bivouac est fortement déconseillé en Sardaigne et même passible d'amende. Notre préférence va au camping, mais en cette période de l'année, ils sont presque tous fermés sur l'île. Alors on se rabat sur un agriturismo. Et évidemment, j'ai du mal à cacher ma joie. Alors qui dit agriturismo, on le sait maintenant, dit accès par une piste dans la plupart des cas. Bon, en temps normal, c'est sec, plutôt roulant. Mais après les orages de cette nuit, quelques jolies bassines se sont formées. Et c'est marrant parce que la piste qui mène à notre logis du soir est celle qu'emprunte le fameux tête. Et si seulement j'avais la copine de Connie à ce moment précis, ma fidèle Transalp. C'est promis, on reviendra un jour poser les tétines par ici avec les copains. Je crois qu'on a mérité un bon apéro, un bon repas et un bon dodo. Non più dry farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, ma ci sento a ton cibo d'amore. Delle belle turbando al riposo, ma ci sento a ton cibo d'amore. Questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. T'as vu que chez les Sardes, c'est le mec qui bosse, hein? J'ai pris des notes. Ah merde, ça s'annonce mal, ça. Non più dry farfalloni amoroso. Avant dernier jour aujourd'hui, descente sur la côte, puis on va remonter toute la côte est par la SS125 qui est apparemment une très jolie route, pour finir du côté de l'île de la Madeleine ou un peu avant, ça va dépendre de la route aujourd'hui. Demain, on passera probablement une journée autour de l'île de la Madeleine et on remontera sur Porto Torres pour prendre le bateau à 22h. Voilà. De nuit, voilà. Avec le plein d'essence. Il vaut mieux, vu les circonstances. Mais comme tous les matins, c'est corvée de paquetage. C'est toi qui es responsable des sacs au-dessus des valises, c'est ça? Mais... Ouais, c'est pour ça que c'est bien fait. Je te le fais pas dire. Et moi, c'est toujours mal fait. C'est tourné. Les chiens. À gauche ou à droite? Alors, vous allez sûrement croire qu'on fait exprès de se mettre dans des plans compliqués avec une routière en duo chargé. Ben non, même pas. Ce matin, j'étais pas encore réveillé, et je me suis trompé de chemin en sortant de cet agriturismo. Rien de tel qu'une petite séance off-road pour se réveiller.
Faut croire que la boue commence vraiment à me manquer. Allez, c'est reparti, on retrouve la route. Et quelle route ? La fameuse SS-125 qui remonte vers le nord du côté ouest de la Sardaigne, entre Tortoli et Dorgali. On retrouve enfin une vraie route de montagne, avec de belles courbes et un ou deux cols bien perchés. Le revêtement est nickel, alors on fait chauffer les pneus et on se fait plaisir. Sardaigne, comme en Corse d'ailleurs, ce qu'on apprécie, c'est qu'en peu de temps, on passe de la montagne à la mer. Les paysages se succèdent, mais ne se ressemblent pas. La journée se termine en rejoignant Palau dans la soirée. On y trouve un camping, le seul ouvert d'ailleurs. On s'installe, on se prépare pour la dernière journée qui va nous conduire sur l'île de la Madeleine, un endroit superbe qu'on va découvrir juste après. Réveil assez tôt pour profiter du lever de soleil et sortir le drone pour quelques vues aériennes. Pour se rendre sur l'île de la Madeleine, il n'y a pas d'autre solution que de prendre le bateau. La traversée se fait en 20 minutes et un service maritime effectue plusieurs rotations dans la journée. Depuis tout petit, j'adore ce genre de bateau où les véhicules rentrent et sortent par des passerelles. Alors rien que pour ça, je suis déjà ravi de ma journée. Débarque sur l'île dans la matinée. L'île de la Madeleine, ou Maddalena, est située sur la côte nord-ouest de la Sardaigne, au large de la belle côte Smeralda. Elle fait partie d'un archipel de 7 îles et d'une soixantaine d'îlots rocheux. En 1994, les fonds marins ont été préservés par la création d'un parc géomarin. L'archipel possède un littoral de 180 km de côte granitique, de plages paradisiaques avec une eau cristalline. L'île n'est pas très grande, et avant d'en faire le tour, on décide de rejoindre la Spiaggia del Polpo, ou la plage du poulpe en français, car il paraît que c'est une des plus belles de l'île. C'est donc reparti pour emprunter des petites pistes. Décidément, Connie semble aimer ça, et en réclamer encore. Thank you.
qu'aller en Italie sans manger une glace, c'est pas possible. Hein. Ah non, apparemment. Grazie mille. Je confirme. Merci à vous. Le bonheur à l'état pur. Alors, cette île dans l'île. Ah, oh, ça va. Et les glaces, elles sont super bonnes. Nous voilà arrivés au terme de ce voyage. On a passé 6 jours sur cette belle île et nous avons pu apprécier autant ses superbes paysages que la gentillesse de ses habitants, sans oublier la qualité exceptionnelle de sa cuisine. Le pari lancé a été tenu et au final, on cumulera 1400 km sur l'île. Ces vieilles japonaises étaient vraiment bien construites et faites pour durer. Vous avez vu qu'avec un petit budget d'achat, un peu d'entretien, on peut se faire plaisir et partir en toute sécurité. La surprise pour nous, c'est la polyvalence de cette moto. Autoroute, route, petite route et même piste, cette vieille Kawa est passée partout sans jamais faiblir. Cet hiver, elle va se métamorphoser complètement et sera prête pour un nouveau grand voyage l'année prochaine. On ne vous en dit pas plus. D'ici là, éclatez-vous et faites de la moto.